Et salut à tous, c'est Uzo, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier acte. Alors, c'est une mission qui s'appelle Dernier Acte, hein. C'est pas la dernière mission, je vous rassure. Attends, ce serait trop rapide, trop facile. Allez, c'est parti. The scoop of the century is a couple of wine guys getting whacked in Chile. It wasn't the victims that caught my eye. It was their killer. I believed it was Mr. 47. The bald killer clone? Come on, Jack. He's an urban legend. Even the CIA and your own FBI say he doesn't exist. We say a lot of things, Rick. It's part of the job. Delgado was a very successful man. Successful men in that part of the world tend to be, well, call it security conscious. Not many people could have done this thing solo. So you went running after a myth? Myth? No, no. It merely caught my attention. One of my CIA friends was also intrigued. The opera incident heightened our curiosity. Have a look. Bonjour 47. Nous avons une petite affaire à régler à l'Opéra de Paris. Il y a deux cibles. Alvaro Dalvad, le célèbre ténor, et Richard de la Hunt, l'ambassadeur américain au Vatican. Notre client affirme qu'il contrôle un réseau de prostitution et un trafic de jeunes garçons et filles d'Europe de l'Est. La Tosca est encore en répétition et l'Opéra est en pleine ébullition. Vous n'aurez donc pas trop de mal à vous fondre dans le décor. L'ambassadeur de la Hunt assiste à la plupart des répétitions depuis sa loge. Il ne se déplace jamais sans escorte armée, et l'opéra dispose également de son propre service de sécurité. Vous pouvez utiliser la couverture des équipes de construction qui rénovent le théâtre pour la saison à venir. Nous vous avons laissé du matériel dans les vestiaires. Dans le troisième acte de la Tosca, le ténor fait face à un peloton d'exécution. Cette scène paraît le moment idéal pour agir. C'est une mission un peu plus claire, 47, mais l'agence a eu quelques problèmes à Paris. Soyez très prudents. Allez, c'est parti, on va choisir nos armes. Donc on a tué deux cibles à l'opéra. Donc une mission que je connais assez bien et assez, qui est très très sympa, je vous l'assure. C'est parti. Alors, notre petite 47. Donc on va chercher déjà notre veste à la réception, qui est à gauche. Ok. Toujours dans notre beau costard. Alors mon ami, tu as quelque chose pour moi? Voilà votre veste, monsieur. Merci. Ok, je prends juste l'arme. Bon. Désirez-vous votre veste, monsieur? Je voulais juste récupérer quelque chose dans l'une des poches. Je la prendrai plus tard. Ah bah attends. Mec, pas du tout suspect. Oh, les toilettes des coulisses sont bouchées. Faut utiliser celle du hall. Ouais, les chiottes des coulisses, c'est toujours la merde. Et y'a quelqu'un qui a bouché le trou qui donnait dans les toilettes des femmes. Laisse-moi passer. Hop, je vais passer par là. Bon, il y a les keufs ici. Faut que le keuf qui rentre dans le truc là et je vais me faire le peintre. Je pourrais déjà prendre. L'agence de presse américaine annonce que le vice-président des États-Unis a été tué dans un accident de la route lors d'un trajet de routine. La Maison Blanche a confirmé cette nouvelle. On attend de plus amples informations. Excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire là. Arrêtez! Voilà. Pose le corps.
pose le corps, voilà. Je prends le costume, c'est tout, moi. Pas besoin de plus. Bref, on rentre, on descend. Ok. Ne nous faisons pas repérer. Normalement, on doit passer par là. Ok. Ouais, c'est vrai que là, c'est tout est en travaux. Tout est en travaux, mis à part quelques petits trucs. Donc ça, c'est sympa. On passe tranquillement, quoi. Enfin, on dirait, j'ai l'impression qu'ils se connaissent pas, tu sais. Ok. Qu'y a-t-il par là? La scène, elle est par où? Bonjour. Des ordures ici. Ok, on va passer par là. Donc ça tente de faire la... Les stages, c'est par là. Écoute, on va passer par là. Je me disais bien, c'est par ici. Ok. On va attendre qu'il aille aux toilettes. Je peux pas rentrer dans sa... dans cette zone. Du coup, je vais aller à l'hôtel là-haut. Directement. Et je vais poser la bombe. Hop, je connais bien la stratégie d'ici. Je vais vous expliquer un peu le truc. On va monter là-haut. Quand même, physiquement, le jeu. Enfin, graphiquement, le jeu il est pas mal. T'as même les veines sur le bras de Hitman quand même. Ils ont vraiment tout. Fais attention à tout, quoi. Ok, faut qu'on monte là-haut, vraiment tout là-haut. Ok. Là, normalement, on devra remplacer l'arme de l'autre par... Putain, y'a là les pigeons ici, hein. Ok, il nous a pas vu. Donc du coup là on peut descendre. Ok, on va descendre rapidement. Ok, voilà. Donc ça, on a déjà mis un piège. On peut déjà sauvegarder. Ça, rappelez-vous, on a que 3 sauvegardes les amis. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Ok. Bon, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que quand tu cours, bah tu te fais pas repérer directement, t'en manges juste ta barre de... Ta barre. Je sais pas si c'est ici que je dois me cacher, mais... Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire là. Ok, mon ami. Il n'y a rien à faire ici. On va aller Ok, 5 minutes. Normalement, il va revenir par là.
revenir dans sa cabine, à part si je me suis trompé de cabine. Là, je suis un peu dans la merde. J'espère pas m'avoir trompé. Ah ouais, je me suis trompé sûrement de cabine. Ok, c'était dans l'autre cabine. Bon, bah, Vattene via da me, contadino misero. Je me casse, t'inquiète pas. Casse-toi, il t'aura pas d'emmerde. Oh, ouais, pas d'emmerde, t'inquiète pas pour toi. Smog, c'est un faux, sinon, il ne s'en remettait pas. Bon, on va attendre qu'ils sortent. Normalement, il va déposer son flingue, il va sortir un petit peu. Ok. On prend le faux pistolet et on pose le pistolet de Première Guerre mondiale. Voilà. Ok, il est parti pisser, il va récupérer son flingue normalement, il va buter l'autre. Et nous on peut déjà se casser. C'était par où qu'on est arrivé déjà? Pas par là en tout cas. On va passer par là. Hop, on va passer par la sortie qui est juste là. Voilà. Pas du tout ici, mais bon. Ouais, c'est pas en bas. Voilà. Ici. Ok. Donc là, à peu près, j'ai à peu près 3 minutes environ pour me casser. Je vais prendre mon costard et assister à la scène finale. C'était par là que j'étais passé, il me semble, ouais. Faut vraiment faire attention quand on court, pour pas trop se faire repérer, surtout que là, on a vraiment réussi la mission. Enfin, pour moi. Il doit y avoir quand même tous d'un œil en mode... c'est qui ce type? Ouais, on va passer par là. Ok. On va passer par là. On va récupérer notre costard. Ouais, pose. Allez hop. On regarde le spectacle, tiens, on profite un petit peu. Là, je pense qu'on peut se faire une petite sauvegarde, on sait jamais, ça peut tourner au vinaigre. Allez, hop, j'ai réussi. Vous êtes ici au cœur de l'histoire de France et de sa grande culture. Toujours en France, hein, pour info. Enfin, il me semble. Bon, allez, la scène, on veut le voir mourir. Écoutez, hein, je vous propose un let's play sur un opéra. Problème, moi j'ai toujours réussi, il manque plus qu'il le bute, que le mec arrive et c'est fini.
Ah, la scène finale arrive. Par contre, je vois pas où la meuf elle chante en fait. Il y a une meuf qui chante, mais je vois pas où c'est. Normalement, dans un opéra, tu vois la dame qui chante et tout, et là non. Et là, il va mourir. Je vous spoil. Il est vraiment mort là. Quoi ? Moi ? Pourquoi moi ? Ah, ils m'ont repéré direct ! J'ai... Mais c'est du racisme ! Contre les chauves ! Non, ils pensent que c'est moi, du coup. Où est-ce que je pourrais me placer ? Pour passer tranquillement, tu vois. Bah, c'est vrai que là, du coup, je suis un peu baisé, tu vois. C'est pas normal, je me fais repérer comme un con. Ok. C'est s'ouvrir, je peux rentrer normalement. Non, faut que je te la fureur, donc là ce serait me faire repérer quoi. Bon, on va attendre que le mec meure. Tire-toi. Bah je me tire, y'a pas de soucis mec. Tous les détails ont nécessité l'intervention des meilleurs artistes. On fait une petite visite guidée. On va monter en haut avec eux. On va faire le touriste. Ensuite. Voici la beauté comme vous ne l'avez jamais vue. Je peux lire dans vos yeux que vous êtes émerveillé. Là, il va mourir. Donc, je vais éviter. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je peux me permettre de sauvegarder une ultime fois, les amis. Une ultime fois. Là, faut que je réussisse. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je reviens dans un instant. Et voilà, il est mort. On va se mettre à la sortie, au moins on est sûr de pas
de pas gêner quoi, enfin de pas. Normalement ils vont le trouver mort et tout ça. Il est mort, voilà. Notre cible la fonce dessus. Ok, là. Normalement, je peux sortir. Quoi, la bombe marche pas? C'est pas possible, la bombe peut pas ne pas marcher. Quoi? Non, elle marche plus la bombe. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qui j'ai tué. Bah attends, c'est pas possible. Attends, je comprends pas. Ah merde, faut qu'il passe par là. Fais chier. J'ai raté. Donc on prépare. Moi personnellement, je vais me poser là. C'est bon, monsieur Dalbad. Maintenant, vous pouvez vous relever, c'est bon. Monsieur Dalbad, ça va? Vraiment? Là, l'autre il va se casser en courant, voilà. Ok, et dès qu'il passe au milieu, il faut que je bute. Ok. Quoi? Comment ça? Comment ça tu m'as trouvé toi? Mais ouais, mais c'est impossible quoi. C'est comment ils peuvent savoir que c'est moi quoi? C'est ça le truc. C'est, je comprends pas comment ils peuvent savoir que c'est moi. Je suis pas si, j'ai pas une notoriété trop élevée, j'ai rien. Bon. Ok. Ok. Monsieur Dalbad, ne bouge plus. C'est bon, monsieur Dalbad. Maintenant, vous pouvez vous relever, c'est bon. Monsieur Dalbad est mort. Ça va? Mais c'est quoi ce bordel? Moi, j'ai gardé le costume d'ouvrier. Les amis, rappelez-vous, dès qu'il rentre dans la porte, faut qu'on lâche la bombe. Pouah. Ok. Faut vraiment que... Je vais être responsable si ça continue là. Dans les faits. Putain, faut vraiment que...
je vais pas passer. Putain, faut que je passe tranquille. Pas que je passe trop près. Ni trop loin. Voilà. J'espère que je fais pas trop suspect. Non, c'est bon. Ok, on se casse. Voilà, c'est parfait. Mission accomplie. Yes. Bon, voilà. Faut vraiment garder le costume de peintre, en fait. Et faut vraiment que j'enlève toute ma notoriété pour que ça peut me... Ça peut me porter à confusion. Filmé par une caméra, non. Ah, il y a des caméras, je savais pas, j'avais pas vu ça. Témoin, il y en a qu'un. Cadavre découvert, 1. Accident, 4. Du coup, je suis un spécialiste parce que j'ai fait comme de la violence. Et bah écoute, notoriété, on va la baisser du coup. Du coup, j'ai 1 million d'euros. Ah, ça c'est pas mal ça. Corrompre les civils, non. Du coup, on va corrompre la police. Et c'est parti, voilà. Donc spécialiste, avis de recherche, Alvaro Dalvado, retrouvé mort, la police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. Intéressant tout ça. Bon, on fait une petite sauvegarde du profil et on se retrouve au prochain épisode les amis.